Et salut à tous, c'est Stolgrin, on se retrouve pour le deuxième épisode sur Kona. Alors j'ai pas encore eu vos retours parce que là je tourne juste après le premier épisode. Donc on va faire le deuxième épisode et on attaque tout de suite. Alors ça y est, c'est parti. Donc là je suis au coin du feu, je suis tranquille, je ne me meurrai pas de froid. Alors si je me rappelle bien, tout à l'heure j'avais chopé une clé. Et grâce à cette clé, lorsqu'il est stressé, Karl vise moins juste et court moins longtemps. Pourquoi je serais stressé là? Je suis pas stressé, il fait juste un peu froid, c'est tout. Est-ce que je suis allé là? Oui, c'était le magasin. Là, il me fallait que je le répare et là-bas c'était fermé. Et j'ai chopé une clé avec des numéros dessus, donc je me suis dit que c'était ça. Non, ben c'est pas ça la clé. Alors, alors c'est des choses que j'ai pas capté ici. Ça là par exemple. Je suis pas allé. C'est une sorte de endroit pour faire caca dans la neige, oui. Non, je trouverai pas de mon bonheur ici. Alors peut-être ouvrir caisse. Ah oui, c'est vrai, il y avait quelque chose marqué tout à l'heure pour pouvoir ouvrir la caisse. Il fallait faire une manip. Qu'on va relire la manip. La manip, c'est ici que j'avais lu, je crois. C'est pas ça. Ah, voilà, je l'avais sur moi. Le mode emploi de la caisse. Donc, composer le prix, deux chiffres minimum. Appuyer sur celle. Faire deux tours de manivelle. Donner des coups, ça ne va pas marcher. Ok. Alors. On va mettre 34 euros. En appuyant sur celle. Deux coups de manivelle. Et voilà. La clé de la poste. Et les billets, non, on prend pas. Bon, bah tant pis. Allez, on est reparti. Donc je vous prie les clés de la poste. Mais est-ce que c'est ça? Ah ben non, c'est pas ça. Donc j'ai pris les clés de la poste. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à déverrouiller? Ah ben oui, c'est vrai que la poste, elle est juste à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est qu'il y aurait à ouvrir ici? Ben rien de spécial. Bon, c'est un peu au coin du feu pour réfléchir. Et regardez un peu ce qu'on a dans mon inventaire. Au pire, peut-être que je peux partir. On va voir. Avant de prendre la route, Karl devait penser à remplir son réservoir. Ah, je peux poser des trucs dans mon coffre. C'est cool. Elle va poser ça. On va poser ça. Et une bûche. Voilà. Les pompes ne donnent pas si facilement leur divin nectar. Il fallait les activer. Ne restait plus qu'à trouver l'interrupteur à l'intérieur. Ah, je sais où il est l'interrupteur. Il faut que je remette l'électricité. Pour mettre l'électricité, il faut que je répare le générateur. Et pour réparer le générateur, il va falloir que... Elle n'est pas content. Ah, j'ai pas fini de lire. Ouais, rien de spécial. Rien de spécial. Ah, clé du garage, enfin, en fait, il y a plein de petits tiroirs, là. D'accord. À voir le registre, on dirait bien que tout le village vivait grâce au crédit du magasin général. Okay. Car il y a plusieurs bonnes gens qu'il voudrait bien visiter. Ben ouais, ça fait des suspects potentiels. Du ruban adhésif. Putain, mais il y a tout ici dans ces tiroirs, en fait, c'est la folie. Y'a pas encore d'autres trucs là? Cool. Allez, j'ai chopé. Ah, une cigarette. Faut que je peux pas la récupérer, c'est bizarre une cigarette là en plein milieu là. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Là, il me manque donc. Karl n'était pas électricien, mais il savait reconnaître un problème. Oui, oui, ça je sais, je sais. On va aller faire un tour dans le garage. Olé! Mettre une petite lampe. Alors. Oh. La barre à clous était coincée sous le chariot. Même en mettant tous ses muscles à profit, Karl ne pouvait espérer la tirer de là. Ben oui, il faudrait que je monte la voiture. Ça sent le propre par ici. Alors. Oh, des tiroirs encore. Matériel. Non. Une pince. Je suis équipé là.
Mettre un peu de musique. Voilà, de caribou. Ça c'est quoi ça? Un magasin de porcelaine? Cette machine n'était d'aucune utilité sans le grand dieu électrique. Eh oui, il faut le courant. Donc maintenant que j'ai plein d'outils, je vais peut-être pouvoir réparer le... le générateur. Hop. Voilà. Réparer. Alors, je vais d'abord mettre le courant. Donc il faut, si je me rappelle bien, un endroit où fait pas tout en même temps. Donc là, mettre sur off le magasin et sur on le garage. Voilà. Là, mettre le courant. Donc là, normalement, il y a le courant dans le garage. Ah ben non. Pourquoi il n'y a pas le courant dans le garage? En vrai, il est censé avoir le courant dans le garage. Utilité. Ouais, je sais. Alors, on va y retourner au niveau des branchements. Alors, électricité désactivée. En fait, j'ai que deux boutons. Électricité ligne principale. Génératrice. Donc là, fais voir. Normalement, c'est bon. Ah, si j'étais là, j'allume là. Toujours pas. Ah, mais attends, je l'ai pas réactivé aussi. Il faut que je l'active. Ah oui, voilà, ça y est, il marche. Voilà pourquoi. Hop, j'ai remis le courant ici. Donc maintenant, je coupe le courant. Je désactive en haut et je retire en bas. Et je remets le courant. Là, normalement, ça devrait marcher. Voilà, je peux voir la lumière de là. Hey, hey. Je vais pouvoir récupérer la barre à mine. Enfin, le... la 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 la. Hop. Voilà. Carl pouvait enfin mettre la main sur la barre à clous. Ce dont il ne pouvait vraiment se priver. On a toujours besoin d'une barre à clous. C'est clair. Là, je peux frapper maintenant. Bam, prends-toi ça. Je sais pas qui je vais taper, mais prends-toi ça. Et prends-toi ça. Alors, comment on la sort rapidement? Il faudrait peut-être que je mette des raccourcis, je sais pas. Parce que la carte en raccourci, je sais pas si j'en ai vraiment besoin. Voilà, c'est bon. Je l'ai mis en raccourci. Et maintenant, on va couper le courant du garage pour mettre le courant dans la pièce principale pour envoyer l'essence. D'abord couper là, ensuite tac tac tac, on remet, voilà, activer l'essence, voilà. Remplir bidon d'essence. On va remplir le bidon. Carl sut tout de suite où trouver ce furieux Gilles Lachance. Une bonne enquête devait assurément commencer par là. Ah, je vais pas remplir de bidon d'essence, c'est pas grave. Voilà. Alors, la carte. On va y voir. Oh oh oh, stop, stop, stop. On va aller voir la carte. Pourquoi il sort direct? Attends. Alors, je suis censé aller où là? Je suis censé aller sur ma gauche. Donc par là à peu près. Ok. On va taper la radio. Le magasin et ses alentours n'avaient plus de secret pour Carl. Le fouilleur avait fouillé. Ah, petit chargement. Je crois que c'est à gauche, il faut que j'aille. Voilà, 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 voilà. La voiture, elle dérape un peu sous la neige. Dommage ces petits temps de chargement là qui gâchent un peu, je trouve, l'immersion. Pour l'instant, c'est le seul point que je trouve négatif, c'est ce temps de chargement en plein milieu là. Maison des biais, est-ce que c'est pas ici que je devais aller?
Allez, on descend. On va couper la radio parce que c'est n'importe quoi. Hop, allez, on descend. Ouais, je me mets en plein milieu, je fais ce que je veux, c'est mon village. La maison semblait figée dans l'hiver. On dirait bien, à tendre l'oreille, qu'il n'y avait personne. Ah, on va tendre l'oreille, hein. Ah, moi, je rentre normal. Hello? J'arrive, je leur vole direct de leur attache-corde. Normal. Pourquoi je peux pas la récupérer? Si j'ai trop d'objets sur moi? Les braises étaient tièdes. Il y avait peu de temps, quelqu'un entretenait le poêle. Ah, je peux pas la récupérer parce qu'il me faut un aimant. D'accord. On va mettre un peu de musique. C'était le reçu pour un travail de misère. Alexandre Blais se fendait en quatre et fendait du bois pour le compte de Cloutier et fils. Remplir bouteille. Ah, j'ai ma bouteille dans le coffre. Ouais, je vais la chercher après. Je vais la remplir. D'avoir une bouteille pleine sur soi, ça peut servir. Fait froid ici, oh. Le monstre. Haha. Pas mal ça. Création poussée pour un écran magique. Ok. Et alors de faire un petit peu froid ici. On va fermer la fenêtre. Froid pareil. Mais qu'est-ce qu'il fallait guetter comme ça? Le monstre. Seuls les esprits tourmentés fument au lit et tous les autres aussi. Ok. Journal de Louise. C'est Louise qui va pas bien, en gros, elle dit qu'elle a peur. Elle s'inquiète pour son mari qui travaille trop. Alors, est-ce qu'il y a des trucs intéressants là-dedans? Je suis vraiment un pickpocket, quoi. J'ai bien, je récupère. J'ouvre tout. Oh, oh, oh! Qui y a? C'est quoi ça? Un loup! On va sortir le pied des biches, s'il attaque. C'est quoi ça? Je sais pas. Quelqu'un a manqué de temps pour faire sa valise. Ok, ça c'est quoi ça? J'ai pas vu ça. La clé ressemblait à une clé de cadenas. Il y avait une inscription dessus. Ça disait Cloutier et fils. Comme Cloutier et fils. Ok. Il s'agissait de garder l'œil ouvert. Les entreprises n'étaient pas légion dans le coin. Bon, mais je vais remplir ma petite bouteille d'eau. On sait jamais, j'aurais peut-être en avoir besoin. Ok, donc un crime qui a eu lieu. Là, est-ce qu'il y a des trucs là? Ouvrir là. Non. Et là. Non plus. Bon. J'ai récupéré la... Dans le coffre de la voiture. La bouteille, je vais la remplir. Je sais pas si ça peut servir à quelque chose. Entreposer, retirer. Retirer la bouteille vide. Voilà. Et je vais remplir la bouteille. Voir ce que ça va faire. Une bouteille d'eau. Voilà. Si j'ai soif, je sais que j'ai de l'eau. Même si je suis entouré de neige. On éteint la lumière. Faut pas dépenser trop d'électricité non plus.
Bon, j'aurais pas appris, à part une clé, j'aurais pas eu grand chose. On va peut-être aller voir là. C'est fermé à clé, je pourrais pas ouvrir. Alors. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a ici? Rien de spécial. À part qu'il fait moins 12. C'est quoi qu'il y a sur le toit là? Ouais, c'est le truc d'électricité. Bon, bah. Est-ce que sur la carte. Voyons voir la carte. Est-ce que c'était ici que je devais aller? Ah, mais je suis pas au bon endroit là. Je suis censé aller voir moi. Je suis censé aller voir qui déjà? J'en peux même plus. Le docteur, le père Oster, Bloom, Bédard, Roy, Hamilton, tout en haut. C'est grand. Je sais même pas que je suis censé aller voir là. Alors. On va prendre la route, on verra bien où on va. Alors, on va aller à... Où est-ce qu'il y a le plus de monde, c'était... Donc droite, droite, droite. Ok. Droite. Droite. Et quand je peux tourner à droite, je vais à droite. C'est là. Hop hop hop, ça, elle freine pas bien la voiture. Allez, je suis encore en temps de chargement. Voilà. Attends, on va revoir la carte un petit coup quand même. Voilà, c'est bon, je suis sur la bonne voie. Merde! Oula! On n'est pas tombé là! Encore autant de chargement! Alors, ici je suis où là? À gauche, il y a une maison. On va aller voir la province, on est à la droite, on verra bien. J'ai pas rencontré un être humain encore, hein. Que des loups. Voilà, c'est le seul point négatif de ce jeu, c'est les petits chargements là. Qui sont un peu. Qui cassent un peu l'immersion. Allez, j'arrive, tut tut, on peut pas klaxonner. T'es, ils ont pas peur ici, il laisse tout ouvert quoi. Wow. Ah bah voilà, j'avais croisé du monde. Pourquoi tu me tires dessus, papy? Je m'attendais pas à ce qu'un étranger retentisse par ici. Moi, te dire, je prends plus de chance depuis que ça rôde dans ce bout-là. J'ai ma carabine au bout du doigt, et puis bang, 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 si ça s'approche. C'est niqué, le vieux.
Si tu veux du linge chaud, parce que t'es habillé comme un gars de la ville, je dirais pas non à une bonne bouteille de caribou. Puis tu pigeras ce que tu voudras parmi mes guenilles. Ok, échanger le caribou. Je n'ai pas du caribou, moi. Échanger le caribou. J'ai pas quand même fouillé chez lui alors qu'il est là, non? Ah ouais. Je peux fouiller carrément normal, en mode normal. Il est là, il dit rien. C'est encore bon. Tout ce qui est vieilli est bien meilleur. Normal, je fouille chez lui, mais le mec il me connaît même pas. Alors attends, tu bouges pas, mec, je vais vite un peu vérifier ce que t'as chez toi. Corriveau, Batèche, ça te passe l'envie de te marier, la Corriveau. À tuer tous ses maris, squeak, les uns après les autres. Pas de pitié dans le mariage. Il est fou, le vieux. Il me parle d'une femme qui tuait ses gadgets. Avec ses musiques toujours enfant, là, c'est des tarés. Gomme-moi la belle rose de la tulipe, qui se donne au yob sur le mercredi décembre. Fais-tu pas effrayant, cette histoire, là. Mon beau bonnet du beau temps. Puis ma ceinture, parce que je vous disais mon temps. Bon, bah ok. C'était super, enchanté. Ouais, mais du coup, je suis un peu paumé, quoi. Je sais pas trop ce que je dois faire dans ce jeu. Y a pas trop d'indications. Bon, bah du coup, ça sera un épisode 2 qui était assez particulier. C'est pas mal le décor, moi j'aime bien. Pour le corps et l'esprit dans cette modeste cabane. Carl ne pouvait pas partir bredouille. Carl ne peut pas partir bredouille. Il doit avoir quelque chose ici à récupérer, c'est obligé. Dans cette cabane, c'est pas une cabane ça. Je peux repartir peut-être par dessous. On peut descendre? Non, ça aurait été trop. Ça aurait été cool si on aurait pu descendre. Bon ben voilà pour cet épisode, hein, c'était particulier et pas... Pour l'instant, je sais pas trop ce que je dois faire, peut-être que je vais en apprendre un peu plus par la suite. Ben je vous dis à très bientôt et bonne journée.